De retour à Ça me regarde, nous accueillons maintenant Kevin, un homme qui a reçu plusieurs prix au Québec et en France pour son implication auprès des personnes autistes. Oui, c'est Mohamed Ghoul qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Ghoul. Bonjour, bonjour à vous. Oui, on a un très beau reportage à présenter un petit peu plus tard qui montre bien comment la musique peut servir aux personnes autistes, notamment à exprimer leurs émotions. Mais avant de se rendre là, on aimerait en apprendre un peu plus sur votre parcours personnel. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer ce programme-là qui a été félicité de toutes parts? Alors, moi, je suis natif de la France. J'étais éducateur, une formation d'éducateur. Je travaillais dans ce qu'on appelle les institutions médico-éducatives. Donc, j'avais une fonction sur des apprentissages de base, apprendre à manger, apprendre à courir, apprendre à sauter, à communiquer, mais des trucs très fonctionnels où je sentais qu'il n'y avait pas ce que moi je recherchais dans ce monde-là, dans ce travail, dans la relation humaine. Et donc, les percussions se sont invitées quelques années plus tard. Et ça fait 20 ans maintenant que je fais ça en France. Et j'ai démarré en Abitibi, au centre de réadaptation de la maison, où on était comme dans des échanges culturels entre mon association de Paris et celle de l'Abitibi. Et arrivé en Abitibi, on m'a laissé un petit peu champ libre en disant on ne sait pas quoi faire vraiment nous avec la musique. Donc j'ai eu un autiste pour commencer, j'en ai eu deux, trois, mais toujours individuellement. Et puis après un mois, deux mois, trois mois, ça faisait trop de relations thérapeutiques et je ne suis pas un thérapeute, pour être très précis là-dessus. Donc j'ai proposé de faire du groupe et là on a démarré un groupe et là il y a eu tout de suite un effet. On a fait un album, deux albums, des voyages en Europe. En 2004, les chercheurs se sont intéressés à ce projet-là, à ce programme-là, en me disant est-ce que tu voudrais faire une recherche. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire le programme parce que moi, pour moi, un programme, je savais qu'on pouvait en créer, mais je ne pensais pas que j'étais capable d'en créer. Hein. Je pensais que j'étais capable de le faire. Donc, j'ai découvert aussi bien eux que moi, on s'est découvert des compétences, on les a développées. Et puis, voilà, donc la recherche a donné un élément hyper important parmi tant d'autres qui montre que ce programme est un réel programme avec des objectifs, des moyens et tout ça. Et donc, on passe de 33% d'interaction à 64%. Wow. Donc, ça, c'est un effet très important. Ça a un impact très important, puis vous le disiez vous-même, il y a eu un projet de recherche, vous avez créé un programme, le programme Approche. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus qu'est-ce que contient et quels sont les modes d'intervention dans ce programme-là? Il y a deux éléments très importants dans ce programme-là, c'est le fait de battre le rythme, vraiment de battre le rythme, ce qui permet de développer la concentration puis l'attention partagée, d'être avec les autres et faire la même chose au même moment. Et la deuxième chose, c'est que après chaque atelier, là, au début, en arrivant au Québec, j'avais du mal à me rappeler. J'étais super content de l'atelier, mais après, quand il fallait expliquer ce qui s'était passé, ben, j'y arrivais pas. Pas assez de mémoire. Et puis, de toute façon, lorsqu'on fait un atelier, qu'on anime, on perd 80% de ce qui se passe parce qu'on est focusé sur une, deux, trois personnes au maximum. Donc, j'ai commencé à filmer. Et c'est grâce à ça que j'ai pu décrire le programme. Et donc, voilà, on analyse ce que j'offre ou ce que l'animateur offre à la population qui est présente. Et à partir de là, on développe. Donc, il y a comme des outils qui ont été créés pour le programme Approche qu'on appelle des OS, qui veut dire une opportunité sociale. Exemple, je joue, il me répond. On appelle ça une opportunité sociale et puis vice-versa. La façon de dire bonjour, eh ben, on appelle ça une photo sociale. C'est-à-dire qu'on a une photo, c'est comme ça que la personne dit bonjour. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va changer. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est d'être en processus de création, de pouvoir créer ensemble. Et quand on crée, je ne suis plus l'animateur, le professeur, l'intervenant. Non, je suis un musicien avec d'autres musiciens, avec mon bagage et eux le leur. Eh bien, allons justement voir comment ça se passe parce qu'on s'est invité à l'une de vos sessions. On est à Rouyn-Noranda, à 20 minutes du centre-ville, autour du lac Évin. On est dans un lieu qui a été créé, qui s'appelle la Maison-École des artistes autistes et le monde. C'est un lieu avec 9 chambres, avec une scène, un studio d'enregistrement pour créer des résidences d'artistes atypiques, d'artistes de partout. Mohamed Ghoul, médiateur culturel. À 19 ans, j'ai commencé à faire de la musique et j'ai créé un programme qui s'appelle Approche, où les rythmes sont observés, où on apprend les techniques de base pour développer la concentration, l'attention partagée. Ce que le programme Approche apporte de nouveau dans la rencontre avec les personnes atypiques, c'est qu'elle permet de mettre les gens en action avec un groupe. Moi, je pars du principe que tout le monde a une vitesse de croisière de jeu rythmique. Il y en a qui vont toujours faire ça très rapidement, d'autres qui vont faire ça comme ça, très saccadé. Mais on peut toujours se comprendre à un moment donné. Puis moi, mon rôle un peu dans tout ça, c'est de
de trouver le point d'ancrage là, qui permet de pouvoir communiquer avec des personnes qui habituellement ne communiquent pas ou qui ne montrent aucun intérêt à communiquer. Moi, toutes les personnes autistes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, j'en ai pas vu un qui ne voulait pas communiquer. J'ai pas toujours su, à tous les moments, communiquer avec eux, mais je savais que c'était possible. Donc c'est un petit peu l'objectif de mon travail au quotidien, de trouver le point d'ancrage, de trouver la bonne porte pour pouvoir dire, OK, là on a quelque chose. Et le plus important pour moi, c'est de pouvoir créer une composition qui peut durer 30 secondes, qui peut durer une minute, mais créer quelque chose où on est tous les deux des acteurs. Je ne suis pas là comme prof, je ne suis pas là comme intervenant. Dans la création, on est deux êtres qui créent ensemble. Donc il n'y a pas de statut, d'autorité ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Et je trouve ça hyper important. Ça dépend des personnes, mais je dirais que très rapidement, en 2, 3 mois, on peut voir des effets déjà. Puis après, pour d'autres personnes, ça peut prendre 2, 3, 4 ans. J'en ai aussi dans mon entourage des personnes, entre autres ma collègue Lucie, qui travaille avec moi depuis 5 ans maintenant et plus. Sa fille est autiste et elle, ça a pris 5 ans avant qu'elle vienne nous chercher pour jouer. Au départ, ça a toujours été nous. Lucie Beauregard, moi, je suis mère d'une fille autiste de 18 ans. C'est un enfant qui restait pas assis en place longtemps, vraiment pas. Concentration vraiment difficile et tout. Et le djembé, c'est vraiment un moyen de communication. Tellement au début, on avait de la misère à sa concentration, de la misère à ce qu'elle reste assise avec nous. Maintenant, facilement plus d'une heure qu'elle va rester avec nous, qu'elle va rester assise, qu'elle fait la musique. À l'occasion, elle va se lever pour aller à la salle de bain ou quelque chose, mais elle revient s'asseoir puis elle veut continuer. C'est elle-même qui veut continuer à jouer du djembé. Elle a vraiment du plaisir là-dedans. On est à Rouyn-Noranda, à la Maison du Mulon. Une maison historique, hein, un des premiers magasins général à Rouyn-Noranda. On se prépare pour une activité tam-tam qu'on appelle les dimanches tam-tam un peu, pour ressembler un petit peu à ce qui se passe à Montréal, au Mont-Royal. Et aujourd'hui, j'ai mon ami Johan, que vous allez sûrement voir, là, qui joue du drum avec moi. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. 2 albums, plusieurs voyages en Europe. Et on poursuit. Voilà, c'est mon acolyte de l'Abitibi-Témiscamingue. 1, 2, 3, 4. Quand tu ranges, j'ai 45 ans. Je fais de tortis, jumping, de la batterie. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. C'est vrai? On fait des prestations comme ça publiques, donc c'est de vraiment. C'est un artiste avant tout, Johan. Et c'est un petit peu l'idée aussi de faire reconnaître cette population atypique comme artistes qui font partie du patrimoine culturel. 2 drums, guitare, bass, une dizaine de djembé. Johan prend un drum. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait, il m'a accompagné pour animer une population qui est celle de Rouyn-Noranda. Et puis, c'était un projet avec La Mosaïque, une association interculturelle. Donc voilà, la table était mise pour la rencontre. Et c'est là que je vois que l'inclusion des immigrants, l'inclusion des personnes dites handicapées ou avec un handicap, à certains égards, quand on parle de société, ben, l'art peut répondre à ces deux besoins. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux vivre avec mon ami Johan. Johan. Emmanuel Laurent. Donc, je suis venu comme d'habitude pour participer, donc pour avoir et pour passer un bon moment avec les gens et puis l'inclusion, pour voir tout le monde et avoir un bon moment avec des gens, pour taper du djembé. Donc le djembé, ça bat au rythme du cœur. On a tous un côté musical, je pense. Parce qu'on a un cœur qui bat. Et ton cœur bat et le pom-tac, hein, c'est comme hein, le rythme du tam-tam. Donc je suis venu parce que pour ça, exactement. Et mon nom, c'est Renald Sirard. J'ai un fils qui s'appelle Johan Otis. Et je veux que Johan sorte de chez nous. S'il ne se passe à rien avec, dans la région, autrement dit, ben, ton enfant est dans la maison chez vous, puis tu sais pas quoi faire avec. Et, il regarde la télé, il se perd d'une chaise versante, il bouge plus. Rendu à 21 ans, je trouve qu'il n'y a rien pour ces enfants-là. Mohamed, pour nous autres, c'est une bouée de sauvetage. Vous le mentionniez juste avant le reportage, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à votre programme et qui vous ont permis de le créer, de l'officialiser. Et là, il y a une équipe de chercheurs de McGill qui s'intéresse à nouveau à votre programme et qui va permettre de faire des observations sur les aptitudes que les personnes autistes acquièrent lors de vos ateliers. On sait que la musique est très bonne pour les personnes autistes, pour les autres personnes aussi, la musique. Mais là, c'est, on parlait dans les écoles, il y a vraiment un clivage entre les personnes dites handicapées ou avec un diagnostic et les personnes du régulier.
Et l'idée, c'est de faire un projet, un atelier, parce qu'on parle beaucoup d'écoles inclusives. Oui, les lieux sont inclusifs, mais est-ce qu'il y a tant de méthodes ou de programmes qui permettent vraiment que les gens se rencontrent dans ce qu'ils sont ? Il n'y a pas grand-chose. Je ne veux pas être négatif ou alarmiste, mais il n'y a pas grand-chose dans la rencontre, d'en prendre le temps. Voilà, donc l'idée, c'était ça, de mélanger des élèves du régulier puis des personnes autistes et de vivre 15 rencontres et pour voir un peu comment eux, ils vont se rencontrer. Nous, on est là vraiment comme médiateur avec le programme, avec les exercices que tout le monde fait. Et puis là, ils apprennent entre... On voit les personnes autistes regarder les neurotypiques, ils disent « Hey, il est en train de m'imiter, là !» Et puis les neurotypiques, ils font « Hey, c'est intéressant, il sait faire ça, et puis pas moi. » Donc, il y a vraiment une réelle rencontre. Et je pense que notre société a besoin de ça. Et pas arriver à l'âge adulte. C'est en primaire, en maternelle, on doit... Et l'art est un super outil pour ça. Il y a le sport aussi, que j'aime beaucoup, mais l'art, vraiment, de nos jours, c'est vraiment quelque chose de très important. Ben oui, parce que le tissu social, on veut le tisser serré dès l'enfance, c'est pas juste arriver plus tard à l'âge adulte et essayer de le raccommoder. On veut que dès le départ, il soit solide, ce tissu social-là, et tous les ponts entre les neurotypiques et les membres de la neurodiversité, tout ça. Et ça, c'est un bel exemple d'inclusion via ce programme. Est-ce que vous avez, si on se tourne vers l'avenir maintenant, M. Gull, est-ce que vous avez d'autres projets en lien avec ce programme? Oui, parce que il y a d'autres écoles qui s'intéressent aussi. Puis là, je vous annonce une primeur. On démarre un premier département dans une école secondaire pour tous les élèves EHDAA qu'on appelle aux Trois Lacs, et on démarre ça le début novembre. Donc là, c'est vraiment une ouverture parce que c'est vraiment l'idée de partir un département, de se servir de la musique comme moteur de rencontre, comme moteur de développement et de compétences. Je pense que c'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire socialement pour permettre aux personnes qui sont autistes ou qui ont aussi d'autres handicaps d'interagir avec les gens, d'apprendre à communiquer différemment et surtout de le faire dans un modèle qui n'est pas médical parce que souvent, on s'attarde beaucoup aux activités quotidiennes, à ce qu'on doit faire dans une journée. On n'est pas beaucoup sur les autres aptitudes qu'on doit développer. Fait que félicitations pour votre programme, félicitations pour ce que vous faites. Merci. Puis là, on poursuit. Je suis à Rambrou aussi. On travaille avec l'Opéra. Je suis médiateur à la Place des Arts. Donc, ça se développe et on souhaite former d'autres intervenants. Pour l'instant, on est 4 personnes qui utilisons ce programme-là. Voilà. Donc, appel à tout le monde, tous ceux qui veulent, tous ceux qui peuvent nous accompagner, nous aider d'une façon ou d'une autre. Vous êtes les bienvenus. On vous souhaite longue vie. Merci beaucoup. On mettra les informations aussi sur amitélé.ca. Merci, Kevin. Merci, Véronique. Merci beaucoup. C'était très apprécié.